Bonjour, je m'appelle Sofia Bogdanovic et je suis la réalisatrice du film Pointe-moi de Plaine. C'est un grand honneur d'avoir l'occasion de faire la première mondiale de ce film au FIL de Marseille. C'est la première fois que je montre un film en France. Et je suis tellement, tellement ravie et contente que ça soit avec Fid. Donc, je voulais vraiment remercier Jean-Pierre, Fabienne, Emmanuel, Louis et toute l'équipe qui a rendu le festival possible pendant une année très, très, très difficile. Franchement, je pense que vous êtes tellement courageux et je suis tellement contente et fière de faire partie de votre sélection. Donc le film Pointe-moi de Plaine, c'est à propos d'un décès d'un ami à moi qui s'appelle Giacomo Grisanzio. En effet, c'était mon premier producteur. Nous sommes allés à l'école de cinéma ensemble. Et en 2018, il est mort. Et après son décès, j'ai vécu en fait une année de pensée magique. Et cette expression, pensée magique, ça vient du psychiatre Sigmund Freud. Et en fait, Joan Didion a pris cette théorie et elle a écrit un livre, L'année du pensée magique. Donc moi, après le décès de mon ami, j'ai traversé une année de pensée magique. C'est-à-dire, je cherchais pour des signes, des messages, des coïncidences. Parce que dans ma tête, dans mon cerveau rationnel, je ne pouvais pas négocier sa mort. Et je voulais trouver une façon de continuer mon amitié avec lui. Donc, à jour, je trouvais des petites choses qui me faisaient penser à lui. Et le premier indice que j'ai eu, c'était d'un peintre qu'on aimait, que vous connaissez, j'en suis sûre, qui s'appelle Vasily Kandinsky. Donc voilà, ça c'est comment le film a eu ses petits débuts. Et je voulais vraiment remercier mon producteur, Calvin Thomas, et aussi ma collaboratrice et amie Derek Campbell, que vous allez voir qui est vedette dans ce film. Elle donne une performance, moi je, qui. Que moi je trouve qui est vraiment sensible et sublime. J'aurais pas pu faire ce film sans Dara ou Calvin, donc merci, merci à eux. Et un grand merci à vous de prendre un moment pour visionner le film aujourd'hui. Donc bonne projection et merci à vous. Au revoir.